Du chocolat croustillant façon crunch. Dans un récipient adapté à un bain-marie, on va mettre une cuillère à café d'huile de coco et une cuillère à café de beurre de cacahuète. Par-dessus 170 g de chocolat noir en morceaux, puis direction le bain-marie. On fait fondre tranquillement jusqu'à ce que tout soit bien fondu et mélangé. On le retire de la casserole et on va pouvoir ajouter notre riz soufflé. Si vous voulez une version protéinée, vous pouvez même ajouter du soja soufflé. On mélange bien et une fois fait, on peut verser la préparation soit dans un moule à tablette de chocolat qui est nickel pour l'esthétisme, sinon dans un récipient à peu près rectangulaire avec une feuille de papier cuisson. On met le tout au frigo pendant quelques heures de sorte que ça fige bien et là on est carrément le lendemain donc c'est bien figé. Plus qu'à démouler notre chocolat croustillant, couper quelques morceaux et en profiter. Si la recette vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit !